Alléluia. Accorde-moi de t'aimer comme il sait toi. Accorde-moi de t'aimer comme il sait toi. Alléluia. Merci Seigneur. Bénissons notre Seigneur et notre Dieu. Nous lui rendons toute la gloire. Lui qui est l'auteur de nos vies. Lui par qui nous sommes. Alléluia. Nous allons voir le fruit qui est le résultat d'une bonne gestion financière. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants, tendre Père, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, pour l'œuvre de la croix. Et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci d'étendre ta main de grâce. Merci, Seigneur, de manifester ta gloire, ton règne et ton autorité. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci de bénir ces moments que nous passons dans ta présence ce soir et glorifier ton nom au milieu de nos éternels, notre Dieu. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, bienvenus dans le Seigneur. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde encore l'opportunité ce soir, bienvenus dans le Seigneur, de pouvoir nous retrouver dans sa présence. C'est une grande grâce que l'Éternel, notre Dieu, nous accorde de nous tenir dans sa présence. Et nous voulons le bénir pour cela, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons le louer, nous voulons le célébrer, nous voulons le glorifier, nous voulons le magnifier. Pourquoi pas, bien-aimés dans le Seigneur, lui exprimer toute notre reconnaissance et lui dire merci. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton plan merveilleux. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Bonsoir tout le monde. Il y en a qui sont connectés. Il y en a qui sont connectés, mais qu'on ne sait pas voir. En tout cas, sinon, à vous toutes et à vous tous, bonsoir. Soyez bénis. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, comme je disais, cette année, nous sommes en train de prier, bien-aimés, pour la restauration de nos familles. La restauration de nos familles. La famille dans toutes ses dimensions. Sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan matériel, sur le plan financier, nous prions bien-aimés pour la restauration de nos familles. Nous allons commencer cette série d'enseignements et en même temps de prières. Nous y allons. Nous avons déjà des bons échos. Il y en a qui nous parlent comment Dieu est en train de se révéler, comment Dieu est en train de leur donner de la victoire dans certains combats qui est les leurs, et nous bénissons Dieu pour cela, bien-aimés, parce que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Nous allons élever nos voix d'abord pour le bénir, n'est-ce pas, bien-aimés? Dieu est l'auteur de la famille. Dieu est l'auteur de la famille, bien-aimés dans le Seigneur. C'est lui, bien-aimé, qui est le créateur de la famille. C'est Dieu qui a instauré, bien-aimés dans le Seigneur, il a instauré le mariage, il a créé le mariage. C'est Dieu qui est le faiseur de mariage. C'est Dieu qui est le créateur de mariage. Et donc, parce qu'on croit, le créateur de la famille. Toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom de Dieu. Eh bien, nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est toi l'auteur de ma famille. Peu importe la famille, je dis bien, peu importe la famille. Même si tu ne l'as jamais connu, mais tu en as au moins une. Bénis le Seigneur. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons bénir le Seigneur pour nos familles. Élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur pour nos familles. Quel que soit ce que les gens sont dans nos familles, bien-aimés, bénissons Dieu. Rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas, pour nos familles. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce et nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour nos familles respectives. Représenté ce soir par mon frère, représenté ce soir par ma sœur. Tendre Père, nous te bénissons pour nos familles et nous te rendons toute la gloire. Merci, tendre Père, pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne. Merci pour ton autorité. Merci pour tous tes bienfaits. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci d'étendre ta main de grâce dans nos vies, dans nos familles, et de glorifier ton nom au milieu de nous.
Que l'honneur, la gloire, la majesté ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Merci de venir encore ce programme de prière, de glorifier ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons bénir le Saint-Esprit, aimé, qu'il nous conduise, qu'il nous guide dans ces programmes. Élevons-nous, bénissons le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange et d'adoration. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te louons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous te glorifions. Merci, toi, l'Esprit de victoire, toi, l'Esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, viens inonder nos vies, viens inonder nos familles respectives. Saint-Esprit, souviens-toi de chacune des familles représentées ce soir en ces lieux. Nous te bénissons, toi l'Esprit de victoire, toi l'Esprit de louange, toi l'Esprit d'adoration. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, merci de bénir tous les détails et tous les aspects de nos vies. Nous t'élevons à la plus haute place, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions et nous te magnifions. L'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange et d'adoration. Saint-Esprit, merci. Merci pour ton plan merveilleux. Merci, Saint-Esprit, de conduire chacun de tes enfants, Seigneur notre Dieu, dans son programme, dans sa destinée. Béni éternel notre Dieu, ce moment, Saint-Esprit, viens couvrir, viens inonder nos vies et que la gloire revienne à notre Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais comme je disais, donc, prions pour la famille. Ce soir, nous allons prier que Dieu délivre, nous délivre des conséquences de l'adultère et de la prostitution dans nos familles. C'est pas bien dans le Seigneur. N'oublions pas que lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Genèse 2, 18, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Bien-aimés, nous réalisons par là que Dieu est le créateur du mariage, Dieu est l'instaurateur du mariage. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il a créé le mariage pour combler le besoin, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, de l'humanité. Les besoins de l'humanité. Par là, nous réalisons que, bien-aimé dans le Seigneur, donc, les mariages, et notamment les relations sexuelles, sont réservés, bien-aimé dans le Seigneur, dans un cadre particulier. Où c'est Dieu qui en est l'auteur. Et bien sûr, le mariage est digne de respect. La relation sexuelle est digne de respect et ne peut se faire que dans un cadre marital instauré par Dieu lui-même. Un homme et une femme, voilà pourquoi Adam, et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Celle, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Un homme, une femme. Elle dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Un mystère venu dans le Seigneur. Ils deviendront une seule chair. L'homme doit quitter, l'homme doit s'attacher et l'homme doit être uni. Quitter, s'attacher, uni à sa femme. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il faut un homme et une femme. Et cet homme et une femme, il leur réservait une relation tout à fait instituée par Dieu lui-même. Instaurée par Dieu. La relation sexuelle avec le Seigneur est réservée dans un cadre marital. L'activité sexuelle doit se limiter à des limites. Les limites de l'activité sexuelle, c'est là, c'est dans la relation conjugale. Je dis bien, c'est dans la relation conjugale. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, nous voyons bien dans le Seigneur qu'à un certain moment, la parole de Dieu nous dit dans Hébreu, que Hébreu 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Alléluia.
Le mariage doit être honoré de tous et le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Et la Bible dit, car Dieu jugera les adultères. Hébreux 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera. Il y a une conséquence pour ceux-là, bien-aimés, qui pratiquent la prostitution, qui pratiquent l'impudicité, qui pratiquent l'adultère. Conséquence, d'abord, c'est les jugements de Dieu. Avant que Satan ne vienne, non, d'abord les jugements de Dieu. Mais cela, bien-aimés, ça a des conséquences. Donc, toute relation sexuelle en dehors du cadre conjugal a des conséquences dans la vie d'abord de la personne ou des personnes bien dans le Seigneur. Et dans si à l'issue de cette relation sexuelle, bien dans le Seigneur, pratiquée en dehors de la relation conjugale, si enfant il y a une conséquence aussi spirituellement parlant. Moi, je disais, bien aimé, il est très important que nous puissions prier pour nos familles. Donc, l'activité sexuelle, bien aimé, dans le Seigneur, doit se limiter, ne doit se limiter qu'à la seule relation conjugale. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais la réalité, elle est celle-là. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, on voit bien que ces mystères-là, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que la relation sexuelle de l'homme et de la femme, bien aimé, dans le Seigneur, est comparé, illustre la relation spirituelle entre Christ et son unique épouse, qui est l'Église. C'est-à-dire que, bien aimé, la relation sexuelle d'un homme et d'une femme, dans le mariage, je dis bien, dans le mariage, est censée illustrer la relation de Christ en tant qu'époux et de l'Église en tant que son épouse, l'unique épouse. Et c'est un mystère. C'est pourquoi dans Éphésiens 5, le verset 32, nous dit que c'est un mystère. C'est un mystère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis par cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est un mystère. Cela illustre un grand mystère. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prendre conscience que l'impudicité, la prostitution, l'adultère, engendre des conséquences terribles dans la vie de ceux qui les pratiquent. Et voilà pourquoi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a des... Clairement, on dit l'homme doit avoir une seule femme. Nous l'avons vu hier. L'homme doit avoir une seule femme, n'est-ce pas? Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, par exemple, dans Ecclésiaste, 9, le verset, on dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, la femme, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, jouis de la, avec la femme, pas les femmes, avec la femme. Le Proverbe 5, le verset 18, nous dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, que ta source soit bénie. Une seule source, pas deux. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Que ta source soit bénie. Une seule source. Et donc, bienvenue dans le Seigneur, les conséquences sont parfois terribles à propos de l'adultère, à propos de la pension de toute relation en dehors du mariage, en dehors d'un cadre conjugal. Une jeune fille, par exemple, parce que nous disons dans la loi, même on dit, s'il est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on dit que on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père
elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. C'est-à-dire une femme qui est dans la maison de son père, mais on apprend bien aimé qu'elle a commis l'adultère. On lui va la faire sortir. C'est là dans Jean 8, on a amené une femme en plein adultère devant Jésus. Moïse a prescrit, n'est-ce pas, de lapider les telles femmes. Et Jésus leur a dit, et on dit clairement le verset, en se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. La prostitution n'est pas bonne. Donc toute femme dans la maison de son père, connaissant, ce n'est pas un copain, une copine, un compagnon à l'attente dans la maison des parents, mais c'est comme une prostitution. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, les gens parfois ne réalisent pas le danger de certaines attitudes et les conséquences. Et on nous amène dans un monde où on veut nous faire passer, n'est-ce pas, on veut nous faire oublier les conséquences de certaines choses. Des conséquences terribles, bien-aimé dans le Seigneur. La prostitution était interdite en Israël, bien-aimé dans la loi. La prostitution, elle était interdite. Que ce soit bien aimé dans Lévitique 19, le verset 29, et tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que les pays ne se prostituent et ne se remplissent des crimes. Lévitique 21, le verset 9, on dit, si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Il y a certains qui ne réalisent pas qu'ils déshonorent leurs parents. Une fille avec un copain, parfois même dans l'église, bien évidemment, nous devons prier pour le corps de Christ. Elle pratique l'adultère, la fornication dans l'église. Elle ne réalise même pas qu'elle déshonore les parents. La Bible a dit qu'elle est le fils, l'œil qui se moque de son père, bien évidemment. Les corbeaux, n'est-ce pas, du Torah, perceront, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur, ses yeux. L'enfant qui déshonore ses parents. Mais la prostitution, elle était prohibée dans la parole de Dieu. Et nous lisons dans la parole de Dieu, même dans le Nouveau Testament, la prostitution, elle n'était pas du tout acceptée. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons l'obligation de prier, bien-aimés, pour que Dieu répande sa grâce dans nos familles, que nos familles ne soient pas victimes, bien-aimés, de certaines choses bizarres ou des conséquences de certaines malédictions. Nous voulons, bien aimé, n'est-ce pas, que le Seigneur notre Dieu se souvienne de nos familles, qu'il étende sa main. Pourquoi? Parce que la prostitution, bien aimé, dans le Seigneur, c'est un acte, bien aimé, qui n'est immoral. Voilà, si je peux dire ainsi. C'est un acte immoral. C'est ça, en fait, l'adultère. Lorsque nous réalisons la relation, comme on dit, n'est-ce pas, par rapport à Christ et à l'Église, par rapport à Israël et à Dieu, c'est le fait, bien aimé dans le Seigneur, c'est une infidélité sur le plan spirituel. Une infidélité. Pourquoi on parlait même de Jérusalem comme étant, n'est-ce pas, la prostituée. Jérusalem était comparée à une prostituée à cause de son infidélité. Nous avons la responsabilité, bien aimé, de prier, n'est-ce pas? C'est pourquoi, lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, on dit clairement que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous ne devons pas livrer ce corps, bien dans le Seigneur, à la prostitution, à l'adultère, à la fornication. Nous devons préserver les corps de Dieu. Pourquoi 1 Corinthiens 7, le verset 2 et 3, on dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme, le mari. Pour éviter l'impudicité. Ça a des conséquences, hein. Que ce soit la prostitution.
Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Donc, nous avons dit tout à l'heure, nous devons faire très attention, bienvenue dans le Seigneur, et revenir véritablement à Dieu. Pourquoi? Parce que les conséquences sont parfois terribles. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, bienvenue dans le Seigneur, nous voyons que la parole de Dieu nous montre les conséquences de cette vie-là. Par exemple, lorsque nous lisons dans Proverbe, bienvenue dans le Seigneur, Proverbe 5, et je ne serai peut-être pas projeté. Je n'ai parlé que le verset 18 seulement, mais je vais voir un peu Proverbe 5, tous les autres versets, pour montrer, bien évidemment, le Seigneur, la conséquence de la prostitution. Hein, mais je vais montrer un peu, bien évidemment, le Seigneur, la conséquence de la prostitution. Proverbe 5, le verset 3 à 14. Proverbe 5, le verset 3 à 14. La conséquence, bien évidemment, de la prostitution. Ben, je voudrais que nous puissions prier. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour de mort. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? Les lèvres de l'étrangère, c'est la prostituée, afin de ne pas contenir les chemins de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Elle est maintenant, mes fils, écoutez-moi, ne vous écartez pas de mes paroles, des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Bienvenue dans le Seigneur. La conséquence de la prostitution, alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi, bien-aimé, dans le Seigneur? Déjà, nous voyons, bien-aimé, quelque part, c'est une mise en garde. Lorsque nous sommes, vous lisez jusqu'au bénéfice. Une véritable mise en garde. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers se rassasient de ton bien, la pauvreté. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Ça veut dire ta femme à toi, celle que Dieu t'a destinée. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-elles couler dans les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Alléluia. Que ta joie soit bénie et fais ta joie. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Bienvenue dans le Seigneur. Ça veut dire quoi, bienvenue dans le Seigneur? Quelque part, la position amène les gens, bien-aimés, à perdre leur notoriété, à perdre leur honneur. Et bien sûr, ça conduit les gens à la pauvreté. Ça conduit les gens à la pauvreté. Bien-aimés, ça mène les gens, bien-aimés, à se livrer à d'autres. Par exemple, un enfant qui va naître, bien-aimés, dans le Seigneur, d'une prostituée. C'est pourquoi nous prions, bien-aimés, ce soir, bien-aimés, que Dieu nous fasse grande grâce. Juges 11, le verset 1 à 3. Nous devons bien aimer prier, n'est-ce pas, bien aimer. Juges 11, le verset 1 à 3. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tobes. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, la conséquence de cette affaire-là. Vous
Donc les frères légitimes refusent, bien-aimés dans le Seigneur. Je dis bien, les frères légitimes refusent, bien-aimés, de partager l'héritage avec Jephthé, quoi qu'il était l'aîné. Ils disent, non, 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 tu es l'enfant d'une prostituée. Tu ne vas pas hériter avec nous, bien-aimés. La prostitution, les enfants qui sont nés de la prostitution, bien-aimés dans le Seigneur, en souffrent moralement, spirituellement. Eh bien, il faut prier, bien-aimés. Si même toi, tu n'es pas de ces cas-là, tu dois prier pour ton frère, tu dois prier pour ta sœur, que la grâce ne se déverse dans leur vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas que parce qu'on est né d'une prostituée, c'est fini, donc sa vie est finie. Non, 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 non. Jésus, dans la descendance de Jésus, bien-aimés, il y avait une prostituée, n'est-ce pas, Rahab. Dieu fait grâce. Nous prions pour que Dieu déverse sa grâce. Nous refusons de subir les conséquences de cela. Bien-aimé, la prostitution, bien-aimé, a des conséquences néfastes. L'adultère. C'est pourquoi nous devons prier pour dire, Seigneur, nous refusons cela. Nous refusons cela. Et lorsque nous lisons dans Osée 2, bien-aimé, dans le Seigneur, nous voyons comment Dieu a dit à Osée d'aller épouser une femme prostituée. Mais malgré cela, nous devons, bien-aimé, prier pour toutes ces femmes-là, ces prostituées, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu aime les prostituées. Je dis bien, Dieu, il est le Dieu des prostituées aussi. Il les aime. Ne les regardons pas, bien-aimé, avec des yeux bizarres lorsque ces prostituées viennent dans l'église. Nous devons prier, bien-aimé, pour les prostituées. Que Dieu leur fasse grâce. Il est le Dieu des prostituées aussi. Il n'est pas le Dieu de la prostitution, mais il est le Dieu des prostituées. Oui, ne sois venu dans le Seigneur. Les enfants de la prostitution. Osez deux, dites à vos frères, amis, à vos soeurs, ou chamans, plaidez votre mère, car elle n'est point ma femme, je ne suis point son mari, que l'autre de sa femme, ses prostitutions, de son sein, ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, je la fais mourir de soif, et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai auprès de mes amants, qui me donneront mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants, elle ne les atteindra pas, elle les cherchera, ne les trouvera pas, puis elle dira, j'irai et je retrouverai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Mais c'est terrible de voir certaines femmes, mais elles sont bien dans leur famille, elles sont bien avec leur mari, bien-aimé dans le Seigneur, et puis je ne sais pas qu'est-ce qui les prend, parfois c'est l'envoûtement, elle va les sortir avec quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, elle va prendre quelqu'un d'autre sans se rendre compte des conséquences, et pourtant, elle a ce qu'il faut, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la situation d'Osée, que Dieu a dit, n'est-ce pas, lorsque vous commencez dans Osée 1, non, j'ai parlé des conséquences. Les enfants des pensions, et même la pension, comment Dieu dit, je vais fermer sa route, je vais, n'est-ce pas, la barricader. Ce dont elle croyait que ça sera, n'est-ce pas, la source des gains, je vais, n'est-ce pas, bloquer toutes les sources des gains. De toutes les façons, hein, vous prenez une femme, mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. Je vous assure, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akas, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jérobam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois, l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel, va prendre une femme prostituée et des enfants de la prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla, il prit Gomer, fils de Diblaïm, elle conçut et lui enfanta un fils. Et chaque fils, bien-aimé, avait un nom, n'est-ce pas, qui correspondait à une réalité qui allait se passer avec Israël. Pourquoi? Parce que Dieu compare le mariage du prophète Osée avec Gomer, fille de Diblaïm. Le mariage entre Dieu et Israël. C'est pourquoi nous avec Jésus, Jésus avec l'Église. Il compare, bien aimé, le mariage, n'est-ce pas, d'un chrétien et d'une chrétienne.
C'est sacré. Il est allé épouser une prostituée. Comme pour lui-même, les prostituées, mais Dieu peut, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il y ait des gens, n'est-ce pas, qui les aiment. Mais le problème de Dieu voulait que cette femme-là puisse changer. Elle était prostituée, mais Dieu voulait qu'elle change. Mais elle est venue dans ses voies. Dieu dit non, non, je vais fermer ses voies pour qu'elle revienne. Regardez, elle me dit, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme et je ne suis point son mari. Nous devons prier ce soir. Priez pour les prostituées, que Dieu le ramène, que Dieu touche leur cœur dans nos familles, autour de nous, dans l'église. Ces prostituées que nous voyons, certains bien-aimés n'ont pas voulu ça. Certains bien-aimés sont sous un esprit qui les pousse à se prostituer. Ne soyons pas vite à les condamner. Lèvons-nous contre la prostitution. Mais bien-aimés, ne prenons pas les gens comme des gens, n'est-ce pas, qui ne devons pas nous apprendre. Nous devons pleurer devant Dieu, que Dieu, n'est-ce pas, leur fasse miséricorde. C'est un Dieu de grâce. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Que Dieu fasse grâce. Alléluia. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Lèvons nos voix, bien-aimés, bénissons Dieu, n'est-ce pas, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix, bénissons, bien-aimés, élevons nos voix et bénissons ces dieux-là, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés, bénissons Dieu, alléluia. Rendons grâce au Seigneur, bien-aimé. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Les dieux de grâce, bien-aimé. Rendons grâce au Seigneur pour son amour. Il aime les prostituées. Il aime les adultères. Rendons grâce au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons toute la gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Tu es les dieux de tout le monde. Les dieux des adultères. Les dieux des prostituées. Voilà pourquoi, tendre Père, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel, notre Dieu. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Éternel, notre Dieu, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci, éternel, notre Dieu, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons, bien aimé. Alléluia. Que Dieu, n'est-ce pas, pardonne, n'est-ce pas, bien-aimé. Que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé. Que Dieu pardonne les prostituées, n'est-ce pas, qui se sont opérées dans nos familles. Bien, nous allons demander pardon au Seigneur. Dieu pardonne la prostitution, bien-aimé, dans le Seigneur. Si, bien-aimé, parfois nous sommes issus de cette vie, nous allons demander pardon à Dieu. Non, non, Dieu aime. Il aime, bien-aimé, dans le Seigneur, ses enfants. Même si on est issus de la prostitution, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu nous aime. Je vous assure. Il nous aime. Je pouvais vous continuer, n'est-ce pas, à parler, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, de Judas, n'est-ce pas, qui a aimé une prostituée. Judas, elle a pris la femme de son fils qui s'était prostituée, elle a engrossé. Mais, bien-aimé, c'est de cette relation, bien-aimé dans le Seigneur, que tu suis, n'est-ce pas, notre Seigneur. Pour dire, bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu bon. Il est un Dieu bon, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons lui faire pleinement confiance. Alors nous allons élever nos voix pour demander pardon, que Dieu pardonne. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne la prostitution dans nos familles, que Dieu pardonne, bien-aimé dans le Seigneur, l'adultère dans nos familles, que Dieu pardonne, c'est un Dieu de pardon. Élevons nos voix, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu pardonne toute forme d'immoralité, n'est-ce pas, dans nos familles. Bien-aimé, que Dieu pardonne l'immoralité sexuelle dans nos familles, pour ne pas les nommer ainsi. L'immoralité sexuelle, bien-aimé. Élevons nos voix, bien-aimé, que Dieu pardonne, implorons la miséricorde de Dieu. Nous allons demander pardon, Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix. Commence à prier, commence à implorer la miséricorde, commence à demander pardon. Notre Seigneur, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu d'amour. Nous venons devant toi pour te demander pardon, nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Éternel notre Dieu, souviens-toi, Seigneur, nous sommes des adultères, nous sommes passés par là, tendre Père, nous te demandons pardon si nous sommes issus des familles, là où on a pratiqué l'adultère, là où on a pratiqué, c'est notre la prostitution, nous sommes peut-être les enfants, c'est notre venu de la prostitution.
confession. Nous venons te demander pardon. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. S'il te plaît, Éternel, notre Dieu, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre, pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, notre Dieu, que nous sommes pécheurs. Dieu Tout-Puissant, souviens-toi, tendre Père. Souviens-toi que nous sommes pécheurs. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Pardonne, Seigneur. Pardonne, mon frère. Pardonne, ma sœur. Pardonne, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voici devant toi, grand roi de l'univers. Alléluia. Ta miséricorde et ton pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma sœur. Aie pitié de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Aie pitié de nos tendres pères. Aie pitié de nos tendres pères. Au nom puissant de Jésus-Christ. O robo yandaba, rakaba yoko robo shikababa. O robo yakaraba yandaba. Notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons et nous te glorifions, nos puissants de Jésus. Seigneur, sanctifie nos vies, sanctifie nos cœurs. Sanctifie nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci de sanctifier nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Éternel notre Dieu, pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, bien-aimé, certains jugements pèsent sur des familles, n'est-ce pas, des familles entières. Rappelez-vous, n'est-ce pas, de David qui a pris, bien-aimé, la femme d'autrui, l'adultère. David a pratiqué l'adultère. Il a pris la femme d'autrui, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu a dit à David, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Et nous voyons les conséquences qu'il y a eu dans la famille de David. Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, nous savons, bien-aimé, regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Proverbe 6. On n'a pas eu le temps de le lire. Nous l'avons prévu. Il dit quoi? Il dit, mon fils, le verset 20. Garde les préceptes de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-le constamment sur ton cœur, attache-le à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront au réveil, car les préceptes sont une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. La femme prostituée, puis la femme mariée. Donc il y a la femme prostituée qui n'est pas mariée, mais elle est en train de se prostituer. Et puis il y a la femme mariée qui tend un piège à la vie précieuse, qui tend un piège à un homme. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Ça veut dire quoi, bien-aimé? C'est du feu. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que les pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque la touche ne restera pas impuni. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier. Nous ne savons pas, nos parents, bien-aimé, sont allés, ils ont pris peut-être des femmes d'autrui, ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bien-aimé, nous ne sommes pas là pour juger nos familles, nos pères ou quoi. Non, nous ne sommes pas là pour juger. Mais si nous voyons, bien-aimé, David qui était un homme marié, il a pris la femme d'autrui, peut-être dans nos familles, il y a des cas pareils. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire, Seigneur, notre Dieu, ta miséricorde. Ta miséricorde. Seigneur, pitié. Aie pitié, Seigneur, de nos familles. Bien-aimés, lèvons nos voix, bien-aimés. S'il y a eu l'adultère dans nos familles, bien-aimés, que Dieu ait pitié. Bien-aimés, que Dieu ait pitié de l'adultère. Que Dieu ait pitié de la fornication. Si peut-être c'est nous-mêmes, nous allons implorer la grâce, la Seigneur, ta miséricorde. Lèvons nos voix, bien-aimés. Commençons à implorer la miséricorde de Dieu. Tendre Père, nous implorons ta miséricorde. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta miséricorde insondable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta fidélité. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nos familles. Aie pitié de nos pères. Aie pitié de nos ancêtres.
Aie pitié de nous, tendre Père. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Aie pitié, tendre Père, à cause de l'adultère, à cause de la fornication. Éternel, notre Dieu. Alléluia. Merci, grand roi de nous, pour l'œuvre de la croix. Bienvenue dans le Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nous allons élever nos voix. Nous allons invoquer le sang de Jésus, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. En Christ, il n'y a aucune condamnation. Nous allons proclamer la victoire du sang de Dieu. Nous allons dire, notre Dieu, nous, que toute condamnation, bienvenue. Alléluia. Nous nous lèvons contre les condamnations. À cause de l'adultère, à cause de la fornication dans nos familles, à cause de l'immoralité sexuelle, nous nous lèvons contre toute forme de condamnation dans nos vies, dans nos familles, par le sang de Jésus-Christ. Élevons nos voix vers toi. Ce temps, Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous nous lèvons contre toute forme de condamnation dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus. Les dieux de grâce, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Éternel, notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta fidélité. Tendre, lève-toi dans nos vies et dans nos familles. C'est notre Dieu, que toute condamnation soit neutralisée, que toutes les malédictions soient brisées, soient nettoyées par le sang de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Tendre Père, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas, bien aimer. Bien aimer, que Dieu nous lave, n'est-ce pas, nous délivre de toute pollution, n'est-ce pas, bien aimer dans le Seigneur. Toute pollution, bien aimé, issue de l'adultère, de la fornication, issue, bien aimé, de la possession dans nos familles. Bien aimé, quelqu'un a pratiqué, n'est-ce pas, l'adultère dans la famille. Quelqu'un a pratiqué la possession. Il amène une pollution dans toute la famille. Nous allons amener, Seigneur notre Dieu, Seigneur, que toute pollution soit nettoyée par le sang de Jésus. Nous nous lèvons contre l'esprit d'adultère et de possession. Tout esprit d'immoralité sexuelle dans nos vies, dans nos familles. Tendre Père, nous lions ces esprits et que toute pollution vienne dans Jésus, que la pollution soit lavée, nettoyée par le sang de Jésus. Alors, proclamons trois fois Jésus avec que nous allons nous lever, bien-aimés, contre toute forme de pollution, n'est-ce pas? Toute pollution venue, n'est-ce pas, bien-aimés, de l'immoralité sexuelle, de l'adultère et de la possession. Proclamons trois fois, bien-aimés, dans le Seigneur, le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la grâce et de la faveur. Que toute pollution, tendre Père, la pollution, c'est notre Dieu. Toute pollution, alléluia, issue de l'adultère, issue de la possession, soit lavée, soit nettoyée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ta victoire. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Que toute pollution soit lavée, soit nettoyée. Nous lions l'esprit d'adultère, l'esprit de la possession dans nos vies, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, que tout esprit de l'adultère soit nettoyé, soit neutralisé, soit paralysé. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Je lie tout esprit de l'adultère, tout esprit de fornication. Au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, éternel notre Dieu, merci. Que tout esprit de l'adultère, tout esprit de fornication soit neutralisé, soit paralysé. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, merci. De laver nos vies, de laver nos familles, de laver, tendre Père, notre destinée par le sang de la nouvelle alliance. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Merci, grand roi de l'univers. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier en ce sens que nous allons dire, Seigneur notre Dieu, délivre-nous de la servitude de l'adultère, la servitude de la... Bien-aimés, il y a des gens, bien-aimés, c'est une servitude. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Il est marié, n'est-ce pas, bien-aimés, mais il va toujours dehors. Elle est mariée, mais elle va toujours dehors. Parfois, c'est un lien. Bien-aimés, nous allons briser les liens de l'adultère, les liens de la fornication, les liens de la prostitution, n'est-ce pas, dans nos familles. Nous allons briser ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Nous allons proclamer trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire. Je viens briser les liens de la fornication, les liens de l'adultère dans nos familles. Que toutes tes servitudes, dû à la fornication, dû à l'adultère, dû à la prostitution, dû à l'immoralité sexuelle, que la servitude soit brisée, soit anéantie au nom puissant de Jésus. Tendre Père, je brise les liens. Je brise la servitude. Je viens briser la servitude. Délivre-moi de toute servitude. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Je brise les liens de la fornication, les liens de l'adultère, les liens de l'immoralité sexuelle. Je brise ces liens. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je
proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix, maître du ciel et de la terre. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Dans ton Père, je viens briser ces liens-là. Je les brise, je les détruis, je les neutralise au nom puissant de Jésus. Je brise ces liens, bien-aimés. Nous allons bien prier. Que Dieu nous délivre, n'est-ce pas, bien-aimés. Que Dieu nous délivre, bien-aimés, de la servitude, n'est-ce pas, de l'adultère et de la fornication et de la prostitution. Bien-aimés, réclamons la délivrance. Tendre Père, merci. Nous réclamons la délivrance. Délivre-nous, tendre Père, de toute forme de servitude, de l'adultère, de la fornication, de la prostitution. Délivre nos familles éternelles, notre Dieu. Délivre nos familles de tous ces liens au nom puissant de Jésus-Christ, délivre nos familles de ces liens, délivre nos familles, tendre Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers, merci pour ta victoire, mais délivre nos familles, délivre nos familles, délivre-nous de la servitude, de l'adultère, de la prostitution, de la fornication, au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, merci pour ta victoire. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu nous délivre, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, que Dieu nous délivre. De la malédiction due, n'est-ce pas, à l'adultère, à la pollution, à l'immoralité sexuelle, bien-aimé, à la fornication, bien-aimé. Que Dieu nous délivre de toute malédiction, n'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous délivre de toute malédiction. Alléluia. N'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia. Nous allons proclamer la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous allons prier pour briser, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimé, dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Proclamons trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus, le Dieu de la délivrance, délivre le terre de notre Dieu, de cet esprit de fornication. Brise la malédiction. Que toute malédiction soit brisée. Tendre Père, bien-aimé, brisons la malédiction, n'est-ce pas, dit à l'adultère, à la fornication et à la prostitution. Tendre Père, nous brisons toute malédiction due à la fornication, à l'adultère, à la prostitution. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise les malédictions, tendre Père. L'issue, tendre Père, de l'immoralité sexuelle, je brise toute malédiction, issue de l'immoralité sexuelle, issue de la prostitution, tendre Père, je brise toutes ces malédictions au nom puissant de Jésus. Les malédictions qui sont dues, tendre Père, à l'adultère dans la famille, malédictions qui sont dues à la prostitution dans la famille, je brise toutes les malédictions, Seigneur notre Dieu, dues à l'adultère, à la fornication, dues à l'immoralité sexuelle, dues à la prostitution, je brise toutes ces malédictions au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, lave et purifie nos vies, lave et purifie nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, merci pour ta victoire, merci grand roi de l'univers, merci pour ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci, oh glorifie ton nom dans nos vies, alléluia, rokobo yandaba, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons maintenant détruire, n'est-ce pas, les forteresses démoniaques, les forteresses sataniques, les forteresses diaboliques, n'est-ce pas, dû, n'est-ce pas, bien-aimé, à l'adultère, à la prostitution, dû à la fornication, à l'immoralité sexuelle, bien-aimé. Ça érige parfois des forteresses. Les démons, n'est-ce pas, bien-aimé, s'installer. Nous allons détruire toutes ces forteresses dans nos vies et dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons neutraliser ces forteresses-là, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Proclamons trois fois, n'est-ce pas? Jésus est vainqueur, un de trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire. Nous nous levons contre les forteresses éternelles, notre Dieu. Les forteresses sataniques, les forteresses maléfiques, les forteresses démoniaques et les forteresses spirituelles érigées, tendre Père, à cause de l'adultère, à cause de la fornication, de la prostitution dans ma famille, dans ma vie, tendre Père. Que ces forteresses soient neutralisées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans l'église. Nous détruisons les forteresses de la prostitution, les forteresses de l'adultère, les forteresses tendre paix, dues à l'immoralité sexuelle. Que ces forteresses maléfiques, ces forteresses diaboliques soient neutralisées, soient paralysées. Au nom puissant de Jésus, nous renversons ces forteresses, nous renversons ces forteresses, nous renversons toutes ces forteresses, les forteresses maléfiques, dues à l'adultère, dues à la fornication, dues à la prostitution. Que ces forteresses soient neutralisées, soient brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, tendre Père, merci. Alléluia, éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Oh notre Seigneur, notre Dieu, Rokobo Yandaba Yakaraba Yandaba. Alléluia, Seigneur notre Dieu, merci, merci pour ta victoire, merci grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus Christ. Oh tendre Père, merci. Oh Robo Yandaba Yakaraba.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons briser ces liens, bien-aimés. Il y a des liens qui sont des liens générationnels. Les liens générationnels de l'adultère, les liens générationnels de la prostitution, les liens générationnels, bien-aimés, de la fornication. Nous allons briser ces liens générationnels. Parfois, ce sont des liens générationnels. C'est des générations en génération. Il y en a même, bien-aimés, qui ne s'en cachent pas, ils s'en vantent. Oh, voilà, moi, mon grand-père avait 6 femmes. Mon grand-père. Mais parfois, il y a des femmes, bien-aimées, elle est mariée, mais elle court avec les hommes, parfois à l'insu même de l'homme, à l'insu de son mari à la maison. C'est incroyable, parfois, ce sont des esprits, n'est-ce pas? C'est des liens générationnels. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons briser les liens générationnels de l'adultère et de la prostitution. Parfois, ce sont des liens générationnels, de génération en génération. Bien-aimés, nous allons briser ces liens générationnels. Au nom puissant de Jésus, proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix. Bien-aimés, brise les liens générationnels dans ta famille, n'est-ce pas, bien-aimés, dans ta vie. Brise les liens générationnels de la prostitution, de la fornication, alléluia, de l'adultère. Brise les liens générationnels dans la vie de tes enfants. Refuse cela au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de toi. Nous brisons les liens générationnels de l'adultère, de la fornication. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons ces liens générationnels. Nous brisons ces liens générationnels. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Notre Seigneur, notre Dieu, que les liens générationnels soient brisés, qu'ils soient brisés, neutralisés. Les liens générationnels de la fornication, nous les brisons, nous les neutralisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne. Merci pour ton autorité. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité, les dieux de victoire, les dieux de grâce, Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, continuer à prier, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu délivre ces hommes et ces femmes qui pratiquent l'adultère et la prostitution. Nous allons venir réclamer la délivrance. Bien-aimés, que Dieu s'élève, que Dieu arrache, nous allons arracher, bien-aimés, ces femmes, bien-aimés, qui sont, n'est-ce pas, dans la prostitution, ces hommes qui sont dans l'adultère, dans la bien-aimés, nous allons prier que Dieu les libère, qu'ils soient libérés des chaînes, n'est-ce pas, de la prostitution, de l'adultère, que Dieu le libère au nom puissant de Jésus, qu'ils soient libérés, bien-aimés, des chaînes, n'est-ce pas, bien-aimés, le Seigneur, alléluia, de l'immoralité sexuelle, qu'ils soient libérés, il y a déjà même dans l'église, des hommes de Dieu, des pasteurs, des diacres, ils entretiennent, bien-aimés, des liens pervers dans l'église. Il y en a même qui font, bien-aimés, n'est-ce pas, bien-aimés, ces choses dans l'église. Pas en étant, mais dans l'église même. Vous avez dit, oui, pasteur, ça, oui, mais les enfants de Eli et les sacrificateurs, ils les faisaient dans l'église. Dans le temple. Alors que Samuel dormait dans le temple, devant l'arche. Mais Eli venait dans le temple, n'est-ce pas, dans le pourtour des temples, n'est-ce pas, pour commettre, bien-aimés, ces immoralités sexuelles avec des femmes dans l'église. Conséquence, bien-aimés, la mort. Mais nous allons d'abord prier, bien-aimés, pour arracher ces hommes-là et ces femmes-là qui sont dans l'adultère. Nous allons les arracher, que Dieu les délivre. Nous allons pleurer devant Dieu, que Dieu s'élève, que Dieu se souvienne de bien-aimés. Même celles qui sont, bien-aimés, dans les box quelque part. Je ne sais pas, avec le coronavirus, c'est un peu le boulot est fini. Hein. Bon, je pense que maintenant, c'est comme on fait la commande des pizzas, bien-aimés, à la maison. Hein. Là aussi, c'est. Les coups de téléphone se passent, mais avec le coronavirus, c'est compliqué. Mais bon, soit, voilà. Mais nous allons bien prier que Dieu se manifeste à ces femmes-là, même dans leur chambre à coucher, que Dieu se manifeste, que Jésus se lève, bien-aimé. Au nom de Jésus. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Bien-aimé, que Dieu se lève dans la vie de toutes ces femmes, bien-aimé, de tous ces hommes, bien-aimé, qui sont dans l'adultère, dans la prostitution, dans la fornication, bien-aimé. Que Dieu se lève, que Dieu le touche au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Proclamons ta victoire. Nous réclamons de notre Dieu ces hommes et ces femmes mariées, ces hommes mariés qui pratiquent l'adultère, qui pratiquent tendre Père, la prostitution, qui pratiquent l'immoralité sexuelle. Nous les arrachons de notre Dieu. Nous les arrachons des seigneurs puissants de Jésus. Nous les arrachons de la prostitution. Tendre Père, toutes ces femmes éternelles, notre Dieu, qui sont des prostituées professionnelles. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Révèle-toi ces femmes.
les femmes, toi, ces hommes, même des femmes mariées. Nous prions, tendre Père, que tu puisses te révéler. Nous arrachons toutes ces femmes mariées, tendre Père. Nous les arrachons de la position. S'il te plaît, tendre Père, les dieux de grâce, les dieux de victoire, nous implorons ta grâce, tendre Père. Nous les arrachons de ces liens. Nous les arrachons entre les dents du diable. Nous les arrachons des mains de l'ennemi. Nous les arrachons des mains de l'ennemi. Oh, non, si ce sont des instruments entre les mains du diable, nous les arrachons des dents du diable. Nous les arrachons des griffes du diable. Oh, non, puissant de Jésus. Tendre Père, lève-toi. Lève-toi dans la vie de ces prostituées, dans la vie de ces adultères. Seigneur notre Dieu, lève-toi. Souviens-toi des tendres Père. Jésus, c'est toi qui avais pardonné cette femme qui était, alléluia, qui était attrapée en flagrant délit d'adultère. C'est toi qui l'avais sauvée. Jésus-Christ, lève-toi. Que toutes ces femmes prostituées soient sauvées. Que tu touches leur cœur. Que tu touches leur cœur. Que tu te révèles à elles. Que tu te révèles à tous ces hommes qui sont dans la fornication, dans l'idolâtrie, dans la fornication, dans la prostitution, dans l'adultère. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à ces hommes. Révèle-toi à ces hommes. Révèle-toi à ces hommes. À ces hommes adultères. À ces hommes impudiques. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Révèle-toi, s'il te plaît. Nous les arrachons. Nous arrachons ces hommes et ces femmes. S'il te plaît, éternel notre Dieu. Tu es un Dieu bon. Tendre Père. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, que tu les touches. Saint-Esprit, que tu les touches. Et tu les touches. Que tu les ramènes dans l'église. Ramène-les dans l'église. Même comme par hasard, qu'ils tombent sur certains sites où le cœur sera touché par ta parole. S'il te plaît, éternel notre Dieu, que ces femmes soient arrachées. Qu'elles soient arrachées. Qu'elles soient arrachées de l'adultère. Jésus-Christ, révèle-toi. Que tu leur donnes. Alléluia. Une eau. Que cette femme, alléluia, qui avait connu déjà cinq Marie, s'il te plaît, Seigneur, elle avait jeté sa criche parce qu'elle avait trouvé en Jésus, alléluia, la vraie source de vie. Seigneur Jésus, souviens-toi de toute sa femme, qu'elle jette les intérêts, qu'elle jette leurs intérêts, que ce soit les intérêts financiers, que ce soit les intérêts matériels, qu'elle les rêche, qu'elle les jette, qu'elle se tourne vers toi, qu'elle se tourne vers toi. Oh, tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Délivre éternel notre Dieu, délivre ses familles, qui sont menacées par la Dieu. Tendre Père, proclamons ta victoire. Ton règne et ton autorité, ton nom puissant de Jésus. Alléluia. Mesdames et messieurs, nous allons prier, n'est-ce pas? Que Dieu délivre toutes ces familles qui sont menacées par la prostitution, par l'adultère, par l'immoralité sexuelle, par l'impunité. Nous allons prier que Dieu délivre ces familles-là. Alléluia. Que Dieu s'élève dans ces familles. Parfois, l'homme ne connaît pas ou la femme ne connaît pas, mais que Dieu s'élève et délivre ces familles qui sont victimes, n'est-ce pas, de ces choses-là, mesdames et messieurs. Alléluia. Que Dieu délivre ces familles au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Proclamons trois fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est. Alléluia, bien-aimés. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Que Dieu délivre, comme la famille de David, bien-aimé, le Seigneur. Que Dieu délivre toutes ces familles qui sont victimes, n'est-ce pas, de l'adultère. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Proclamons ta victoire. S'il te plaît, tendre Père, dans tes familles victimes de l'adultère, que ce soit à cause de la femme ou de l'homme, délivre, tendre Père. Délivre les enfants qui sont des victimes. Délivre la famille. Délivre les enfants. S'il te plaît, éternel notre Dieu, les enfants de David sont été victimes de l'adultère, alléluia, de leur père. S'il te plaît, tendre Père, souviens-toi de ces enfants qui sont victimes de l'adultère des parents. S'il te plaît, tendre Père, souviens-toi, tendre Père, délivre ces familles, délivre ces enfants, et t'entamer des grâces, et t'entamer de la délivrance. Délivre, tendre Père, délivre les conséquences de l'adultère, de la folie, de l'adultère, de la position de leurs parents. Délivre, tendre Père, délivre les familles. Les familles, c'est notre Dieu, qui sont menacées par l'adultère, qui sont menacés par la fornication, qui sont menacés par la pression. Délivre toutes ces familles, tendre Père, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Tendre Père, délivre ces familles, délivre les familles qui sont victimes de la pression, de la fornication, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Et merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci, grand roi de l'univers. Alléluia, tendre Père, merci. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons, n'est-ce pas, bien-aimés, prier, n'est-ce pas? Que Dieu restaure. Que Dieu restaure, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Les familles, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur, qui ont été victimes de l'adultère et de la prostitution, bien-aimés, dans le Seigneur. Que Dieu restaure toutes ces familles. Que Dieu restaure les hommes et les femmes, bien-aimés, victimes, n'est-ce pas, ou qui ont été, n'est-ce pas, dans l'adultère. Bien-aimés, que Dieu, nous allons prier que Dieu les restaure. Que Dieu se révèle à ces familles. Que Dieu se révèle à ces hommes, à ces femmes, bien-aimés. Que Dieu les restaure. Ou parfois, bien-aimés, qui ont été victimes, qui pleurent devant Dieu. David a pleuré devant Dieu. Lisez le psaume 51.
David a pleuré devant. Nous allons prier, n'est-ce pas? Que Dieu restaure toutes ces personnes, le Seigneur, qui sont tombées victimes, qui parfois ont du mal, qui vivent dans la culpabilité. Mais que Dieu touche les cœurs de tous ceux-là qui vivent dans la culpabilité. Que Dieu les délivre. Que Dieu restaure les cœurs. Il y a des gens qui ont été sincères, qui sont tombés, c'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'ils se culpabilisent, qu'ils se posent un souci, Dieu le pardonne. Oui, Dieu pardonne. Je vous assure que Dieu, c'est un Dieu de pardon. Souvenez-vous de Osée, Osée 1, Osée 2. Dieu était prêt à pardonner. De la même manière que Osée avait pardonné, n'est-ce pas, Gomer, fille d'Ibrahim. Dieu dira à Osée, de la même manière que tu as pardonné cette femme qui s'est prostituée sur la place publique, tu es allé, n'est-ce pas, l'acheter aux enchères. De la même manière que j'aime Israël, malgré ses prostitutions spirituelles. J'aime Israël et je vais le pardonner Israël. Que Dieu restaure, qui ne vit pas de la culpabilité. Toutes ces personnes qui ont connu la prostitution, bien-aimée, que Dieu touche leur cœur, que ces personnes soient délivrées de la culpabilité, que Dieu les restaure, que ces femmes, bien-aimées, qui sont dans la honte, l'opprobre, en disant que voilà, moi, mon père, c'est un adultère, c'est un prostitué, mon père a fait ceci, ou ma mère, bien-aimée, que Dieu restaure la honte, que Dieu restaure l'opprobre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que nous ne soyons plus dans la honte. Oh, parce que moi, je suis un enfant d'un prostitué. D'une prostituée. Non. Que Dieu te restaure. Dieu t'aime. Le plus important, c'est le programme que Dieu avait avec toi, quel que soit le parent. Le plus important, c'est le programme que Dieu avait avec toi. Le Dieu avait un programme avec Jephté. Malgré que Jephté était rejeté par ses frères pour ne pas hériter, mais Dieu a permis à un moment, bien aimé, ils étaient coincés, ils sont allés le prendre, ils ont dit, nous faisons de toi notre frère, viens, c'est toi qui dois nous libérer. Bien aimé. Que Dieu te restaure. Que Dieu restaure toute personne, le Seigneur, souffrant de la culpabilité, souffrant de la honte, à cause de l'adultère. Parfois même, ce n'est pas soi, ça s'est passé dans la famille. Bien-aimés, que Dieu restaure nos puissants de Jésus. Que Dieu restaure nos familles. Dans la honte, n'est-ce pas? Peut-être l'homme est sorti, il est allé dehors. Il a fait même un enfant. Et tu as honte parfois quand les gens savent que cet homme-là, mais que Dieu restaure. Et ouvre le cœur, pardonne. Si tu as été victime de ça. Ouvre le... Bien-aimé, Osée a pardonné. Il a pardonné. Nous allons, bien-aimé, prier que Dieu restaure toutes ces personnes qui souffrent, n'est-ce pas, bien-aimé, de la culpabilité, qui souffrent de la honte. Bien-aimé, que Dieu les restaure. Allez, proclamons trois fois, bien-aimé, le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Dieu. Tendre Père, nous élevons nos voix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Restaure l'éternel, notre Dieu. Restaure les vies. Restaure le frère et les soeurs. Restaure toutes les personnes, c'est notre Dieu, qui ont été, toutes ces familles, tendre Père, victimes de l'adultère. Victime de la prostitution, restaure tendre paix. Toutes ces personnes souffrant de la culpabilité, éternel notre Dieu, viens restaurer, restaure tendre paix, restaure les hommes et les femmes, restaure les frères et les sœurs qui souffrent de la culpabilité, restaure tendre paix, tous ceux qui souffrent de la honte, restaure éternel notre Dieu, tous ceux, c'est notre Dieu, alléluia, qui souffrent peut-être, qui ont un problème de manque de pardon. Tendre Père, restaure les cœurs. Ceux qui ont du mal à pouvoir pardonner parce qu'ils ont été trahis. Alléluia. Tendre Père, pardonne. S'il te plaît, que tu donnes un cœur de pardon. Un cœur de pardon. Un cœur de pardon. Là, Seigneur, purifie les cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Restaure les cœurs. Les cœurs qui ont du mal à pardonner parce qu'ils ont été déçus et ont été trahis. Alléluia. Tendre Père, par l'un des conjoints. S'il te plaît, tendre Père, guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Éternel notre Dieu, merci pour la puissance de la guérison. Au nom puissant de Jésus Christ. Tendre Père, merci. Merci pour la guérison des cœurs. Guéris les cœurs. Restaure les cœurs. Restaure les cœurs. Restaure les cœurs de la honte. Restaure les cœurs, tendre Père. Restaure éternel notre Dieu. Nous comptons sur toi, Maître du ciel et de la terre. Les dieux de victoire. Les dieux de grâce. Les dieux de l'impossible. Les dieux de paix. Les dieux de miséricorde. Nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Nous proclamons ton règne et ton autorité. S'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Souviens-toi, ton autre Dieu, les dieux de la restauration. Merci de restaurer. Merci de restaurer. Merci de libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, restaure tendre Père. Restaure les yeux adultères. Restaure les yeux adultères. Restaure les cœurs adultères. Restaure tendre Père. Alléluia. Les yeux de la possession. Les cœurs de la possession. Restaure tendre Père. Restaure éternel notre Dieu. Proclamons la puissance de la restauration dans toutes les violences puissantes de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, merci. Merci toi, le Dieu de la libération. Alléluia.
Nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas? Alléluia. Pour dire, Seigneur, déverse ta grâce sur nos familles. Alléluia. Que Dieu déverse sa grâce. Que Dieu guérisse les cœurs bien-aimés dans le Seigneur. Les cœurs de toutes les personnes qui ont été trahies. Les gens comme Osée, bien-aimé. Osée a été trahi. Alléluia. Que Dieu guérisse les cœurs. Il y a des femmes aussi qui ont été trahies. Bien-aimé, que Dieu guérisse les cœurs. Que Dieu guérisse les cœurs. Que Dieu les délivre. On nous pousse en Jésus, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimé. Prions, n'est-ce pas, bien-aimé, pour demander à Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, de guérir les cœurs. Et Dieu de se révéler, n'est-ce pas, dans nos familles, n'est-ce pas, de ramener les cœurs à lui. Nous allons prier pour les saluts dans nos familles. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé. Prions pour les saluts. Que les saluts viennent dans nos familles. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Nous prions pour les saluts de nos familles. Notre Seigneur, notre Dieu, que tu touches les cœurs. Que les cœurs reviennent à toi, nom puissant de Jésus. Touche, tendre Père, toutes les personnes qui ont été déçues, qui ont été trahies. Tendre Père, par l'un des conjoints. S'il te plaît, Éternel, il n'y a que toi qui peux guérir. Ou les parents qui ont été trahis, tendre Père, par l'attitude, le comportement de leur enfant. Seigneur, notre Dieu, il n'y a que toi qui peux guérir. Il n'y a que toi qui peux guérir. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs. S'il te plaît, tendre Père. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimés, élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions que le Saint-Esprit, remercions le Saint-Esprit pour l'exaucement de toutes nos prières. Et en même temps, prions, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur pour. Alléluia. Nous allons d'abord remercier le Saint-Esprit pour l'exaucement à nos prières. Élevons nos voix. Tendre Père, merci Saint-Esprit pour l'exaucement. Toutes nos prières. Saint-Esprit, merci de nous avoir exaucés à propos des conséquences de l'adultère dans nos familles. Restaure-nous, Seigneur. Restaure notre honneur. Restaure, Saint-Esprit, merci de restaurer notre honneur. Restaure, Saint-Esprit, l'honneur de nos familles, notre honneur, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous allons prier pour les personnes malades. Nous allons prier pour maman Alphonsine, prier pour maman Samba, les pasteurs Paulin, maman Fifi, prier bien-aimé pour notre sœur Claire, prier pour maman Céline, maman. Élise, nous avons bien aimé prier. Élevons nos voix, prions. Ce tendre Père, nous élevons nos voix, nous proclamons ta victoire dans la vie de maman Samba, dans la vie de pasteur Paulin, dans la vie de maman Fifi, dans la vie de maman Alphonsine. Nous proclamons ta victoire, tendre Père. Merci pour la puissance de la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton règne. Merci pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, les dieux de grâce, les dieux fidèles, les dieux de paix, les dieux d'amour. Les dieux de paix, les dieux d'amour, les dieux de joie, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce, merci grand roi de l'univers, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté de notre Dieu, nous te rendons toute la gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité, que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur les trônes et reviens à toi qui es assis sur le trône de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, grand roi de l'univers, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur, amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur pour tout. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ta victoire dans nos vies. Merci pour ton règne et pour ton autorité. Merci pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, grand roi de l'univers. Bénis chaque détail, chaque aspect de nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. 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 Bienvenue dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment. Merci Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, bienvenue dans le Seigneur, fasse luire sur vous sa face. Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse luire sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. À bientôt, bien-aimés. Que Dieu bénisse. Amen. À tout à l'heure, à 11h30 jusqu'à 13h, notre culte d'action de grâce. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye.